Bonjour, alors avec cette histoire de virus, moi je suis un peu parano. Donc quand je sors, je mets un masque et des gants. Donc je mets ce genre de gants. Donc le problème c'est que pour en trouver actuellement c'est impossible. On peut trouver des gants de cuisine, mais des gants de cuisine dans la rue, ça a l'air vraiment dinglant. Donc, et puis en plus, on trouve des gants à Paris, mais bon, bah, ils sont, les gens les jettent dans la rue un peu comme les préservatifs, donc c'est un peu débile. Donc moi, ce que je fais, c'est un petit conseil que vous pouvez prendre ou pas, hein, c'est à vous de voir, c'est que quand j'ai fini ma petite balade, bon déjà, comment dire, je me lave les mains d'abord avant de porter les gants, après je sors. Quand je reviens chez moi, je retire les gants, je me lave les mains, je lave mes gants. Et le problème, quand vous lavez vos gants, c'est que les gants, bah, il y a toujours plein de flotte dedans. Et donc, j'ai trouvé un truc, bon, voilà, c'est à vous de voir, c'est de les mettre au micro-ondes. Donc, voilà, un peu comme ça. Alors, quand je sors, je mets des gants en plastique. Le gros problème, c'est que comme c'est super dur à trouver. Donc mes gants après je les nettoie, je les lave et puis bah, pour les sécher je vais tester le micro-ondes. Donc voilà, donc j'ai mis tous mes gants dans le micro-ondes et puis je vais faire sécher. On va voir, donc je vais le mettre à 2 minutes, on va voir ce que ça donne. Donc à 1 minute, les gants sont super chauds, ils sont secs. Par contre, j'en ai d'autres là-bas qui sont dans une qualité différente. Donc je vais essayer de les mettre à 1 minute supplémentaire. Et voilà, donc après ça me permet de pouvoir reporter ces gants, puisque comme je vous dis, donc sur Paris, impossible de trouver des gants. Et puis bah, si je les commande genre en Chine.